C'était une belle saison d'hiver, il y avait un objectif très important qui était les championnats du monde et je suis vraiment très heureuse d'avoir réussi à atteindre cet objectif. C'était un beau challenge, vraiment très heureuse d'avoir vécu ces émotions aussi en tant qu'équipe parce qu'il y a vraiment toute l'équipe qui a performé. C'est des moments assez incroyables dans une carrière, donc très heureuse d'avoir vécu tout ça. C'est sympa d'avoir, on a fait une initiation biathlon avec toutes les équipes du comité, les mécènes et les athlètes. C'est sympa de pouvoir aussi montrer notre sport un petit peu de l'intérieur, même si ça reste une initiation et que les conditions de course sont encore plus compliquées. Mais les gens se rendent compte aussi de la difficulté de notre sport et ça nous permet de donner des conseils, d'échanger et de vivre un bon moment. Je pense qu'on a tous bien apprécié et ça reste un jeu, donc on se prend vite au jeu. Et quand on met un dossard, c'est souvent pour gagner aussi, donc des belles ambiances. Et ça crée des liens aussi, on se rencontre différemment, on échange de choses différentes que d'habitude et c'est top. Ça permet de faire un lien entre nos athlètes qui viennent de finir leur saison, le comité de ski de Savoie et également tous nos partenaires qui nous soutiennent maintenant depuis de longues années. C'est très convivial. Cette fois-ci, on a voulu faire ça sous le thème du biathlon, vu les résultats qu'on a eu au biathlon et tout le monde s'est bien amusé. Le comité de ski de Savoie, moi je me souviens, c'était mes meilleures années en ski. On a passé des super moments et ça montre que ce soutien peut amener au plus haut niveau en Coupe du Monde. Et du coup, c'est toujours agréable de retrouver tous les athlètes et aussi ceux qui aident le comité de Savoie, de se retrouver pour fêter la saison et puis discuter. Je suis très fier de faire partie du comité de Savoie et d'être ici ce soir. C'était un bonheur et un plaisir de côtoyer tous ces athlètes et qui sont vraiment une jeunesse formidable. Et c'est très valorisant d'être avec eux ce soir. Et je voulais remercier le comité de ski Savoie d'avoir créé donc ce fonds de dotation qui vient vraiment en aide aux athlètes, qui ramène beaucoup de fonds, qui leur permet d'avoir des moyens pour leurs entraînements et pour être nos futurs vainqueurs et nos futurs médaillés de demain. Je pense que c'est un vrai moment de partage entre ceux qui nous aident en fait à évoluer et puis nous aussi qui faisons un retour sur notre saison. Donc on a partagé un bon moment autour du biathlon, c'était un peu le thème de la soirée. Je pense que tout le monde s'est prêté au jeu, donc on est tous contents. Il y a eu des vainqueurs, des moins vainqueurs pour ma part aussi, mais voilà, on a apprécié ce moment et maintenant on mange un petit bout tous ensemble. Une super saison, très satisfaite de ce globe de cristal, c'est mon premier et... Oui, c'était une saison où j'ai réussi à être régulière, je me suis accrochée jusqu'au bout. Il y a eu du suspense jusqu'à la dernière étape. Donc, une bonne gestion mentale et physique et une belle équipe aussi avec qui partager cette victoire. Donc, que des bons souvenirs. J'ai fait une très belle saison d'apprentissage avant tout sur la Coupe d'Europe et au championnat du monde junior. J'ai fait mon premier podium en Coupe d'Europe sous l'emblème du comité de ski de Savoie. Quand je suis arrivé à cette soirée, c'est vrai que j'ai vu tous les top athlètes, tous ceux qui m'ont inspiré pendant mon projet tout le long de la saison. Et quand je suis arrivé là, j'étais un petit peu le jeune et tout, mais je suis très content d'être là et de porter haut les couleurs du comité. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire du comité de ski de Savoie depuis de longues années. On est fiers de ce partenariat de longue date qui aide le comité, les clubs, les athlètes à avancer et à aller au haut niveau, formés pour gagner. Récemment, la Fondation Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est mécène auprès de la fonds de dotation qui a été créé par le comité de ski de Savoie. C'est pour nous une évidence au regard des 5 axes qui sont développés dans ce fonds de dotation et notamment la génération des jeunes champions pour 2030 qui nous tient particulièrement à cœur, mais pas que. J'ai eu la chance l'année dernière de bénéficier d'un contrat ANS, Agence Nationale du Sport, qui a transité par le comité de ski de Savoie. Donc le comité m'aide et me salarie l'année. Donc il y a vraiment un lien fort avec les acteurs du comité que du coup j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement pour ces sujets-là. Donc vraiment il y a un échange comme depuis le début, comme depuis mes premières années dans les groupes comités. Enfin, moi j'aime retourner au comité de Savoie. C'est un comité pour lequel j'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années avant d'occuper des fonctions nationales. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver les anciens collègues, l'ensemble de l'encadrement du comité de ski de Savoie et c'est l'occasion de se rendre compte qu'il y a un vrai savoir-faire au niveau du comité sur le ski nordique.
et le biathlon en particulier.